Move. Je sais pas si t'as vu, Nicolas Hulot a démissionné du gouvernement. Le ministre de la Transition écologique et solidaire a annoncé ce matin qu'il quittait ses fonctions. À la surprise générale, en plein milieu d'une interview sur France Inter. Nicolas Hulot a dit qu'il avait le sentiment que l'écologie n'était pas la priorité de ce gouvernement. Mais on le savait déjà depuis longtemps, nous. Lui était ministre, il s'en est rendu compte après plus d'un an. On lui a dit pour la fin du dernier Avengers. Il est au courant qu'on est champion du monde? Je demande, parce qu'il a l'air de galérer, le gars. Je sais pas si t'as vu, mais la France est au top des pays les plus visités. Notamment en région parisienne, qui bat des records de fréquentation avec plus de 17 millions de touristes cette année. Les experts estiment qu'on pourrait atteindre le chiffre de 90 millions de visiteurs en France en 2018, ce qui serait un record. Est-ce que la Belgique est dans le classement? Je crois pas, pourquoi? Oh bah parce qu'ils vont encore nous dire que eux, leurs touristes, ils sont plus beaux, ils sont plus offensifs, t'as compris ou pas? Ah oui, c'est rigolo. Parce qu'ils sont dégoûtés depuis qu'on les a battus à la Coupe du Monde. J'aime l'humour. L'humour footballistique. Oui, mais ferme-la. Pourquoi il est là, lui? Je suis revenu pour la saison 2. Je fais plus de blog. Je fais des stories sur Insta. Je sais pas si t'as vu, mais la nouvelle saison de Game of Thrones est retardée. La production annonçait que la saison 8, qui devait être diffusée au printemps prochain, ne sera finalement pas prête avant la fin mai 2019. À cause des effets spéciaux qui sont plus compliqués à produire que prévu. Après, si tu veux voir des gens se fracasser pour un fauteuil, t'as qu'à regarder le gouvernement de la France depuis que Hulot il a démissionné. Et autour de Macron, Lannister, ça a pas mal se fighté. Ouais, je fais des vannes politiques, ouais. Y'a quoi? Tu es connecté sur Move.